merde. Je crois que je peux l'avoir avec une grenade. Non, bien sûr que non. Ça m'a l'air d'être particulièrement bien dégagé ici. Ah mais la pomme était mort. Possible. Wesh. Maintenant. Et tu es la merde. Sans déconner. Pas d'away, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Non. Hop là, one shot. Encore comme difficulté. C'est normal. Hein. Encore des ennemis à proximité. Bonjour. C'est l'heure de mourir. Au revoir. Ah, et ben voilà. Pas de raison. Ah oui, ça c'est une porte en cas de problème problématique. Ça c'est une clé. Allez, coupe la tête. Allez, ça fait joli une tête là, un petit trophée, non? Ah, tellement de violence. On peut exploser la tête de cette merde là parce que ça, ça me dégoûte tellement. Ah. Et pourquoi? C'est bon, je fais ce que t'as demandé. Certaines personnes sont vraiment pressées. Ta gueule. Tu vas bien? C'est sans danger là-dedans? Tout est mort ici. Je suis fier de toi. Maintenant, entrons là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour j'ai porté? Au départ, c'était une simple idée. Tu te rappelles le passage de la Bible que ta mère aimait tant? De l'eau saine et gratuite pour tous. Quel changement ça aurait été pour tous les habitants des terres désolées. Au fil du temps, cette idée a évolué et a pris la forme d'un purificateur. Mais très différent de celui de l'abri. Celui-là était gigantesque. Capable de purifier d'un seul coup des milliers de mètres cubes d'eau. Nous nous sommes installés au vieux Jefferson Memorial, à côté du lac artificiel de DC. J'espère que tu le verras bientôt fonctionner. Et qu'est-ce qui est arrivé? Durant l'année qui a précédé ta naissance, la situation est devenue difficile. Il y a toujours eu un problème de mutants en ville, mais il s'est aggravé. Ils se sont mis à attaquer plus souvent et plus férocement. Les appuis au projet ont diminué du fait de l'absence de résultats significatifs. Nous n'avons plus fait aucun progrès. Et il y a eu ta naissance.
Ta mère et moi avions discuté de ce qu'il faudrait faire. Mais quand je... Nous l'avons perdu, j'ai dû prendre une décision. J'ai choisi de partir. D'après ce que j'ai compris, tout est allé très vite ensuite. Rester est devenu trop dangereux pour les autres, et le projet a été abandonné. Le docteur Lee et son équipe sont partis pour Rivet City, et le projet Pureté n'a plus bougé d'un iota. Ouais, je peux demander ça. Sois prudent, mon gars. Vous fallait quelque chose ? Salut. Oui ? Tout va bien ? Tranquille, tranquille. Salut. Il vous fallait quelque chose ? Janice, j'ai quelque chose pour vous. Oui, docteur. Quand on aura une seconde, on pourrait vérifier la pression des réservoirs 3 et 4. J'ai peur qu'il y ait une fuite. Oui, monsieur. Je vais m'en occuper dans un instant. Merci, Janice. Le mec commence déjà à donner des ordres. N'aime pas encore arriver au truc. Certaines personnes. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Toi, tu fermes ta gueule. Toi, tu vas faire là-bas. Salut. En plus, à part Garza, il n'y a que des filles, hein. Peut-être que j'aurai une belle-mère, hein. Quoi ? Hein, quoi ? Ça va, le mec... Certaines personnes sont... Ah, super. Écoutez, je sais qui vous êtes, d'accord ? En ce qui me concerne, vous n'avez rien à faire ici. Alors dégagez de mon chemin. What ? Contrairement à certains autres, je suis avec le docteur Lee depuis le début. J'ai été le dernier à partir quand on a abandonné. Maintenant, votre père tombe du ciel et je dois lâcher ce que je faisais pour revenir et recoller les morceaux. Ta gueule. Bordel, ça fait maintenant deux fois que mon travail a été réduit à néant par votre père. Et pour couronner le tout, cette fois, on a droit à sa progéniture pénible. Ne traînez pas dans mes pattes. Vraiment pressé. Eh putain, ils sont chiants, hein. Certaines personnes sont vraiment pressées. Il vous fallait quelque chose ? Je commence à me casser les couilles, il va te dire « Ouais, t'es pressé, tout fait du cul. » Tout va bien ? Tranquille, avance. C'est bon, là, je peux te parler. Nous y voilà. Là où tout a commencé. Tu te rappelles le passage préféré de ta mère ? Apocalypse 21:6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À qui a soif, je donnerai, moi, de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tu ne vois pas ? Toute la signification est là. Voilà l'eau de la vie. Le rêve de ta mère. Inutile de perdre du temps, pas vrai ? Mettons-nous au travail. Ouais, il y a beaucoup à faire. Pas que ça foutre. On va faire quoi là ? Le projet a été abandonné peu après ta naissance. Les choses se sont détériorées ici. Depuis, il y a eu des inondations. Il faut accéder aux pompes de contrôle d'inondation et les activer afin d'évacuer l'eau et de rejoindre l'ordinateur central. Ok. Les portes automatiques se sont fermées lors de l'inondation. Alors tu vas devoir emprunter les tunnels d'accès pour atteindre les pompes. Si tu veux. Pas quoi, c'est un peu. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Tout ça est très soudain. Je veux que tu saches que je suis là, si tu as envie de discuter. Tu as l'air perplexe, comme sous un nuage. Je fais des choses dont je suis pas fier, mais j'essaie de m'améliorer. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Quoi qu'il arrive, je sais que tu agiras au mieux. Terminons-en avec ça, et ensuite je t'aiderai de mon mieux. Tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que... «
Je... Un peu compte de contrôle. Ouais, bon, c'est bon. Tu cliques bien, ok? Ce qui dit le Pit Boy, c'est n'importe quoi. C'est pas le plus mauvais. D'ailleurs, c'est vraiment mon Pit Boy. Ouais, je fais que le mauvais. Salut. Salut. Bon là ça va être assez tranquille. On va jouer un peu les ouvriers, on va réparer ici, on va faire ça. C'est bien compliqué. T'es pas d'accord? Eh, on peut dire qu'il a perdu la tête ce type. Il est mort de rire lui. Mais il a ri. Regarde. Oh. Tiens. Putain, ils ont la tête accrochée, hein. Chier. Hop là. Bon, je sais pas ce que je dois appuyer sur le bouton. Dépêche-moi de revenir et je te donnerai les fusibles dont tu auras besoin. Ah, des fusibles. Ok. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit à la radio, il a dit dépêche-toi de revenir et je te donnerai les fusibles dont tu as besoin. Hop là, c'est dégueulasse. Hop là, hop. Non merci. Porte. Bien. Les pompes fonctionnent et certaines des portes sont ouvertes. Nous faisons des progrès. Le problème, c'est que l'eau a court-circuité certaines boîtes à fusibles cruciales. Tiens, prends ces fusibles et remplace ceux qui ont sauté. Ok. Et on peut parler. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en fait ? Tellement de choses se sont passées ici. Essaye, intelligent. Et maintenant, hein, après toutes ces années, on a une chance d'aboutir. Aider les tiers désolés. Ouais, si tu te souviens du passage ? Oui, je m'en souviens. Ta mère et moi, nous avons vécu pour ces... Oui, pour de l'eau. Pense-y un instant. Ah, plus de mal des radiations. Pas mal, mais tu peux apporter un tel espoir à la population. Oui, mais il y a toujours des radiations. Bref. Je crois que je comprends. Je trouve aussi, mon gars. Pour faire quoi, maintenant ? Tu dois remplacer les fusibles court-circuités par... Ok. À tout à l'heure. Oh, ça fait du bien, un peu de quoi? Calme. Oh, toi de ta gueule. Putain, toutes les portes sont barricadées. Vous avez vu comment là, il y a des trucs qui sont tombés. Bon, on s'en bat les couilles. Tu t'en sors très bien. T'es où là? Difficile à dire, puisque je ne sais pas exactement où tu es. Où tu es là? Tu es au niveau de la sécurité. Ben voilà, tu sais où je suis. Le mec il dit que tu es au niveau de la sécurité, mais je sais pas exactement où tu es. Ben... Esquive, des cadavres. Ben, tu dois être par là. Avec les fusibles en place, tu devrais pouvoir accéder à l'ordinateur central. Inutile de revenir à la salle de contrôle. Va directement là-bas. Ok, il me dit inutile de revenir à la salle de contrôle, va directement en haut. Je
en un dessous d'une lumière. Ça remonte. Voilà, je suis perdu. Aventure épique où je dois trouver des escaliers. Putain, mais ils mettent quoi dans leurs balles? Ah, c'est de la balle. Et moi, je prends les boutons. Ok. Tout va bien? Tranquille. Et où maintenant? Tu es au bon niveau. Dirige-toi vers l'extrémité ouest et... Non mais c'est bon, attends. Bon, je te repars. Il reste quelques réparations à faire ici, dans la salle de contrôle. Pourquoi ne pas revenir ici pour me donner un coup de main? En fait, attends. Il y a une autre chose à faire. Janice dit qu'il y a un blocage dans les conduites d'entrée. C'est sur le chemin du retour. Rejoins le niveau du musée et appelle-moi par l'interphone quand tu seras là-bas. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est sur le chemin du retour, mais bon, je peux... Je vais quand même dire bonjour, un petit coucou à papa. Il est essentiel que tu rejoignes les tuyaux le plus vite possible. Si on laisse la pression augmenter, ce sera la catastrophe. Ah ouais, ça craint. Je vais attendre ton retour ici. Bon, ok. Ouais, parce que les catastrophes, hein, c'est les catastrophes. C'était pourri, c'est l'histoire. Bref, où tu m'as dit d'aller le petit vieux là? La place, y'a os. Ah, ici. Salut. C'est pas ici qu'il m'a dit d'aller. Non, c'est pas ici. Ouais, c'est pas vraiment sur le chemin du retour. Hein. Désolé. C'est trop tentant à chaque fois. Y'a pas d'interphone ici. Oh, ça craint ici. Quoi que non, je n'ai pas besoin. Même j'ai enlevé mes lunettes. Oh, c'est piqué les yeux. Ah, c'est looké. Bon. Je... Oh. Viens, tu t'es. Qu'est-ce que c'est? Ça me dit rien de bon, ça. Ça me dit rien de bon du tout. Ça me dit tellement rien de bon qu'on va couper cette session ici et on se reprendra pour la prochaine fois. Ah, c'est dégueulasse, hein. Il va y avoir de l'action et moi je coupe. Ah, je suis trop fier de moi. Bon, bref. Allez, courage et au prochain épisode.